Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode. Et on s'est un petit peu déplacé, on a fini de looter de la zone dans laquelle on s'est arrêté tout à l'heure. On est reparsé du côté des égouts, maintenant on est de l'autre côté. Et on s'apprête à ouvrir une porte avec marqué défense d'entrée ou de sortir. Et derrière, là, il y a l'air d'avoir des trucs assez sympas. Si on Yep, regarde sur la let's carte. go! On envoie le tank devant. C'est des deux tanks. Ah ouais, ça marche aussi hein, avec le bronc. On est rentré dans quoi là? Les bons. C'est quoi ce Je machin? suis dans la place. Gosse des rues, retour à la Retour à maison. la maison. Ah, mais c'est la taverne de Misk. À tous les coups. Barre du QG de la guilde. Super, on a ouvert la porte, défense d'entrée, on peut se balader, ils n'ont rien à péter quoi. Ouais, j'ai Ouais, le. je peux l'ouvrir, j'ai ouvert une autre porte. J'ai le barman là, il est en train de. On lui tire la joue, mais violent quoi. Ah oui, le. J'arrive pas à te suivre. Tu vas trop vite, trop loin. Je suis C'est quoi ce littéralement truc? allé en face. Mise à jour, libérer Orpheus, c'est quoi ce truc? Bah, j'ai lu un truc. Mais c'est pour ça qu'il faut lire les trucs, hein. Ça te fait avancer les quêtes. Hein. Mais je sais même pas où t'es! Mais j'étais. Non mais attends, on est rentré dans une porte, il y avait une porte en face, et je suis juste allé tout droit. Il n'y a pas eu de virage qui a été fait, il n'y a pas eu de. J'ai marché tout droit, genre C'est vraiment. déjà beaucoup trop compliqué. Mais tout droit, ah oui, ok, tout droit là, putain. Je suis vraiment nul avec la minimap, c'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce qu'il a à vendre? Toxine de verre pourpre, potion de vol. Cap de tueur des ombres. Quand vous attaquez alors que vous étiez caché, le résultat que vous devez obtenir au dé pour que votre attaque s'autorise par un coup critique est réduit de 1. Pas Ouais, mal. alors moi je fais pas du fufu donc Oh, j'ai la superbe teinture grenat. ça c'est pour atteindre ça j'ai déjà ici il y a une wardrobe, ça serait pas mal si j'arrivais à l'ouvrir. Il y a un doigt de géant des nuages. Ah oui, ah oui! Bien ça tu me l'envoies, ça, que je fasse une popo. Après, ce que Je j'en aurais acheté évidemment. comprends. Voilà, la suite, ça sera par ici donc. Je Ah sens ouais? là. Ah, mais d'accord, c'est dans la chambre de la cocotte là. Oh, parchemin Voilà, de mais globe j'ai d'invulnérabilité, trouvé ça le. t'intéresse ça, Arda? J'ai trouvé la suite. Est-ce que Bah, ça tu vous sais, dirait y a pas de peut-être des gens parler qui. à ce perso qui est un perso important? Dit-il l'air de rien, wink wink wink. Bah non mais... Quel perso, où ça? Il y a écrit maître de guilde au-dessus de son nom, donc peut-être que c'est un indicateur que c'est le personnage important de la zone. Ouais. Je vais lui parler parce que je suis un urchin et ça m'a dit que j'étais chez moi. Ah oui, Bah c'est voilà, ça. c'est ça. It's an orphanage, Octa. What would you have me do? Seize their toys as payment? Well, they failed to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord. You're not suggesting I Ah, mais c'est yield pas les a single connards inch of qui city, sont my city, to contre this cult. les gobelins noirs là? Ce serait pas eux? Les gobelins noirs? We already Bah, les Les alphelins de l'Underdark là. I didn't say forgive. Je me souviens pas comment. Ouais, gnome, ça doit être ça, ouais, t'as raison. Non, ça c'est pas les. Ah merde, comment ils s'appellent déjà? C'est les Ironen contre les. Putain, lui, il a une gueule. Oh, il est. C'est ce qui lui est arrivé, mais. General of the Absolute, Champion of Merkel, Unkillable Tyrant of Moonrise. Tu es tout seul. Les Gondiens, c'est ça. Mais eux, c'est pas les Gondiens. Vous semblez en savoir beaucoup sur le cul. Ils auraient pu juste lui couper, tu sais, le même major que pour Assassin's Creed pour la référence, quoi. I already know the one thing about you that I need to. Ah, mais elle est trop classe, cette You've perso. crossed paths with the cult's leadership before, and you're still standing.
I mean to burn the Absolute from the face of my city. So if you mean to help, congratulations. Ouais, mais c'est des potes en fait. The best of friends. Bah, on a déjà croisé des gens de ce groupe. Ah, c'est pas ceux qu'on a butés dans l'Underdark ? Sur la plage. Ceux qu'on a butés, c'était les Zentari. On les a tués aussi non, sur la plage, non ? Oui, on a buté tout le monde. On a buté les mecs du Stone Lord et ses petits potes. Donc, ouais, il y a eu des erreurs. Non, mais ils avaient tiré leur arme du fourreau. Ils ont reçu ce qu'ils méritaient. Voilà, tu vois, tu peux lui dire là. The rats usually keep a lid on their nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting to test the leash. All the more reason to be rid of the cult quickly, so I can remind my crews it's not a leash round their necks if they cross me. It's a noose. I was planning to soften you up a bit first, but... Straight to business then. You've been seen with a certain Harper. Grey of hair, somewhat spiky of manner. No. Vous connaissez Jaira? Bah oui, tout le monde la connaît, oui. Direct. Fair enough. I need to speak with her. She's still getting the lay of the land, I expect. I have information that might help with that. So, remind her to pay an old friend a visit, would you? I live to serve. Leader of some new crew that's intent on painting my ass. If he was just another upstart who didn't like paying guild dues, fair enough. But he and his crew make no demands. Leave no survivors to pass on a message. All I know is that on every scrap of ground he takes from me, the cult of the Absolute soon starts sprouting. Doesn't matter. Whatever god the prick prays to, I'll send him to meet it soon enough. We don't. The Zentarim work for me. Time was I'd charge the bastards double if I let them into my hall at all, but times change. The guild is many things, but it's not an army. If the Absolute keeps pushing in on our territory, then I need a little weight to push back. Simple enough. After Jahira warned me and then disappeared, I went no. C'est vrai que c'est un peu la même armure que Jahira. Un style. Hein. Evidence of Gortash's projects. Traced him to Orin the Red and made a safe bet there was some dried out old necromancer to round out the three. Because it's always the dead, bloody three. Has been half gods who can't help but make their irrelevance everyone else's problem. Oh. You've got some juicy little tidbit I haven't heard yet. C'est fâcheux. Tout le monde va crever. That's annoying. J'aime bien, tu lui racontes que ça va être la fin du monde d'ici à peu près quelques jours. Definitely not leaving it to some slimy shit that doesn't even have hands. So, as long as you can keep a lid on what's growing. Ah mais le Stone Lord c'est pas c'est attends. Until you can't, and we're not. Simple enough, I reckon. Now, war to be fought. You need anything? Ouais, on veut des prix là sur tes trucs. Ah non, on peut pas. Là pour l'instant, il y a même pas moyen de trade avec elle. Ouais, c'est pour ça. Thieves, frauds and miscreants. If it's just the watch warrants you're reading, the guild isn't any one thing.
We're everything. All the parts of the city the Watch don't want seen, so they push us to the far side of their law. But it's not the Watch that keeps the peace, or gives justice to any Baldurian who asks, whether they can pay for it or not. It's us. If we take a little tribute in return, or tie strings of service to those we help, well, what of it? So long as we're working as one, it all runs quick, quiet, and clean. If you'd prefer to trust in the Watch, the Council, the Parliament of Peers, by all means. They're the pretty face slapped over the city. But the Guild is the blood, the bone, the gristle, the ugly bits that actually make Baldur's Gate move. We'll be the ones still holding the gate when all those others have fled. Belle classe, quand même. But don't be so quick to bat away a helping hand. We'll find few enough of them in this city. The Flaming Fist can be bought. The Harpers are scattered, and the Parliament of Peers, well, they're just generally too inbred to be useful. The Absolute's at our gate, and the Guild are the only ones truly standing against it. Bien, ce qu'il y a genre une minute, elle disait qu'elle avait pas d'armée. Elle a pas d'armée. Elle a pas d'armée, mais en gros, c'est ce qu'elle explique, quoi. C'est tous les, comment dire, le gratin qui fout rien parce qu'ils se font laver le cerveau par Gortage, techniquement, et que bah, c'est les petites gens qui protégeront la ville si ça part en sucette. Mais bon, si après t'as des bagouilles dans les opérations et que ça peut lui rapporter de la thune, est-ce qu'il y a un mal à ça? Bon. Ouais, j'aime bien le perso parce que normalement je supporte pas, tu vois, les guildes de voleurs ou entre guillemets, genre côté shady des villes. Ce perso, je me dis, énorme. Qu'est-ce que ça fait? Non, rien, mais ils vont une armure. Si t'es bourré, t'as des avantages sur les saving throws, tu gagnes des points de vie temporaires, et des conneries comme ça. Et c'est pas un truc du manque, justement? C'est pas le mois de ivre? Si, mais le moine ivre, c'est... t'es obligé de le mettre en mode, tu l'as pas de base. Oui, non, mais la tenue, c'est pas en tout guillemets si, sur ce principe-là. Mettre... Ouais, c'est ça. Katox, il fait un concert. Oui, c'est très chouette en plus, il fait de la belle musique. Et est-ce que t'as gagné des sous? Ben, je vais attendre de terminer pour savoir. Voilà. Oh, ils peuvent pas payer avant de regarder? Nous, c'est ce qu'on fait quand on va à un concert. T'es sûr que c'est un concert? Ah là, c'est... Ah, il y a eu un jet. D'impro. Déception. Deception. Encore. Ça semble compliqué, hein. Putain, allez, là. Qui, tu fais quoi, là, en fait? Je sais pas ce qu'on a, un gars. Moi, je cause aux gens. Can't say I've heard of you. Spare me the story behind the name. I'm sure it's very scary. Fair warning. The Guildmaster wants no fraternizing with the Zentarim. They're here to work, not share war stories. They won't be much use to us if they're drinking and dicing when the Stone Lord kicks the door down. Ah bah tiens, tu voulais savoir qui était le Stone Lord, tu peux lui demander. The latest challenger to the Guild's position, but probably the first one to actually make us sweat. He came out of nowhere and picked up half our turf in a 10-day. So if you're speaking to the Guild Master, maybe step soft around the topic. C'est vrai que c'est embêtant parce que quand tu joues en groupe de 4 potes et que tu peux pas prendre de PNJ, tu te fais sabrer beaucoup de dialogues. Là, par exemple, tu vois la petite interaction qu'il y a entre Jaira quand tu peux jouer solo et avec elle, et Nightfinger, c'est plutôt sympa. Et à des pans comme ça depuis le début du jeu, quand on joue à 4, on passe à côté, c'est un peu dommage par contre. Ou alors faudrait qu'il développe un système où t'as le PNJ qui pop pour faire son speech, quoi, mais... Bah, à la limite que tu puisses le prendre pour les interactions quand il dit ouais, ramener machin, faut qu'on discute et tout, et que tu le prêtes comme que tu puisses prendre le PNJ, comme un pet là qu'a Arda avec son élémentaire de feu, juste ouais, effectivement pour la conversation, mais par contre pour les combats, tu peux pas en fait. Et ça, pourquoi tu lui attires une flèche? Quoi?
Y a Arta qui vient de tirer une flèche sur le mec. C'était la corde que je visais. Ah bah, je crois que c'est, il a pas aimé, il se la prend dans le genou. Attends, mais t'es en train de te battre ? Non, non, j'avais bien donc tiré sur la flèche, j'ai pas tiré sur Carsen le fossoyeur. Je pensais que ça allait ouvrir un truc en contre moi. Généralement, quand t'as un poids comme ça qui est surélevé, tu te dis bon, bah en dessous, ça va ouvrir un truc. Non. C'est juste un truc qui est tombé. Déception. Quoi. Bah, ah, il ouais, a ouais, juste. On peut casser le support en bois qui est là si tu veux. C'est dommage qu'il n'y ait pas de TP là, ça aurait été pratique. Alors, normalement... Parce que ici on peut y aller... Oh, toi ! On peut y aller, là ? Ah ouais ! Où c'est ? Là ! Oh ! J'ai trouvé un endroit intéressant... Ah non, je croyais que c'était des gens qui étaient pendus, mais en fait, c'est les gens qui sont au-dessus. Attends, il y a un... Trop comment tu fais pour y aller, mais... Hein ? Bah, ah, comme après, ça, j'ai l'impression. Après, j'ai ouvert un... Ouais, oh, j'y suis ! Il y a des coffres ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il a trouvé encore dedans ? Je sais pas où il est. Eh ben, j'ai vu une petite alcôve et je me suis dit, allez, let's go, j'y vais. J'arrive ! Fais-moi une petite place. Hey, coucou, toi. J'ai tout vide, il a tout ouvert. Bah ouais, 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 mais je me suis fait 300 PO, je me suis fait 300 PO, un rubis, un élixir à foutre sur mon arme et un élixir de résistance psychique. Et les livres, il y a des livres ? Et bah non. Non, non, elle non est... elles sont bloquées, les bibliothèques. Ouais. Ah bah si, attends, il y a une vieille note, là. Hop, je te récupère le bouquin. Paf, je te le file. Tiens, attrape. Paf. Bon, par contre, je préviens, je vais sauter, mais je risque de me casser la gueule dans le vide, donc je vous aime beaucoup, mais... Par acquis de conscience, il y a ah le... non, c'est bon. Il y a le truc, là, là où il y avait la guild leader, là, il y a un chemin qui se barre, j'avais ouvert la porte, ce serait cool d'aller voir ce qui se passe par là-bas. Je te suis, je suis à côté de toi, donc pour une fois je vais te coller au train pour ne pas te perdre. Il y a un marqueur sur la carte avec le repère personnalisé. Ouais, mais à chaque fois que, comme Arda, j'ai du mal à... Genre je vous retrouve sur la map, mais après de vous jusqu'... Nord, sud, est, ouest, ça fait que changer en fonction de comment on est tourné, donc bon. Bah ouais, ouais, vraiment, putain, vraiment monde de merde. Ah oui, il y a... Ah, oh, il y a un coffre, il y a un coffre fort. Mais une clé surtout. Il y a un coffre fort, putain, mais comment tu... Oh lolo, oh. Mec, j'avais pas vu moi dans mon premier playthrough. Bah en fait c'est surtout que si tu veux la bibliothèque qui est dans sa chambre là, mm-hmm. T'as des grosses traces par terre. Ah ouais 30. Oh putain. Oh shit. Et t'as pas Nock Arda il a Nock sinon. Ah t'as peut-être Nock ouais. Si seulement on c'est avait une guidance. En français. C'est de un virou. Cadenas ouvert comme symbole. C'est un level 3 je crois. En attendant je dépense. Alors j'ai pas de parchemin pour. Ce serait peut-être plus un sort que t'aurais appris. Ah oui ça je suis quasi sûr que je dois l'avoir. Sort de niveau 3. Non, tu l'as passé à un niveau 4. C'est un niveau, c'est un niveau 2, pardon, et c'est deuxième ligne, troisième ligne, oui. Avant dernier sort. Déblocage. C'est une porte, en fait, ça a une forme de porte. Ouais, c'est un level 2. Et c'est verrouillé de gestion fermé par une serrure normale. Voilà. C'est ça. J'arrive. Et il s'appelle comment ? Déblocage. D'accord. Il y aura sans doute un mur à péter là, en contrebas. Ouh, cool. Oh putain, on est en train de refaire la déco des souterrains. Donc, on a dit ouais, déblocage. Il y a deux salles, hein. Il y a deux salles. Eh mais j'avais pas réussi à y aller. On n'a pas été préparé, oui, mais je veux le préparer justement. Je te dis que je veux le préparer. Non, mais c'est parce que je faisais pas ça comme il fallait. Merde, je descends au moment où tu ouvres la porte. C'est incroyable. C'est la magie. Il y a des coffres. Vas-y, attends, putain, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Il y a rien dedans, c'était nul. Il y a des compos pour Arda, il y a un diamant sa mère. Oh, il y a une porte encore. Ouais. Oh, et ce jeu, mais il est fou, hein, parce que j'ai vraiment poncé la première partie que j'ai fait, j'ai poncé le jeu dans tous les sens et j'ai pas trouvé ce... Pas tant que ça, comme... visiblement. Et j'ai passé un certain nombre d'heures, quand même.
Ah mais t'as pas l'œil et le bon, moi je te dis... Mais non, mais après, quand c'est, t'avais un jet à faire pour ouvrir la... le bookcase. Ouais, sûr, ouais, ouais, c'était un jet de portage. Là c'est déjà le 3... Ça s'est fermé tout seul ou c'est vous là? Non, ça s'est fermé tout seul. Pas Bill. Je crois. Attends, est-ce qu'il y a encore un teuteux qui est dehors? Oui. Non. C'est toi qui a fermé? Non. Ah non, ça s'est effectivement refermé derrière nous, je pense qu'à mon avis il va y avoir du poison. Verrouillé. Toi, tu m'as fait peur, j'ai cru. La porte elle est verrouillée? Attends, je regarde derrière le gros tableau là. Le gros tableau ça me la paraît bien. La porte elle est tout à fait verrouillée, ça fume et je peux pas l'ouvrir, c'est incroyable. Au pire, on peut se taper, c'est. Ah, c'est incroyable! Ah, mais parce que c'est peut-être ton truc, ça l'ouvre que pour un moment en fait. Non, normalement. Qui a activé un piège? Pour moi. Ah, attends, parce qu'il y avait encore. Il y a... Attends, je trouve un bouton. Parce que ça déverrouille. J'ai trouvé des tenues, elles sont. C'est bon, c'est déverrouillé. Ah ouais, vas-y, montre. Alors, bah, j'ai ça là. Non, enfin, c'est une autre teinture, mais du coup. Ouais, bah, celle-là, tu l'avais déjà. Ça, j'avais déjà. J'ai ça. Ah, bah, c'est la même. Oh, oh, t'es. Ah, t'es classe comme ça. Mais je l'ai en. J'ai ça. C'est un peu trop habillé, c'est bon. Oh. Ouais, pas et fou. J'ai ça aussi. Allez, non, là, franchement, t'es classe comme ça. Bah, c'est ça, celle-ci, elle est pas mal. Je vais rester comme ça un peu pour. Ah, elle est pas bon. On voit plus tes tchouches, mais. Bah. T'es, là, au moins, t'es élégant. Tu es élégante. Et les moufles. Et t'as réussi à l'ouvrir comment? Alors, le petit bouton, ça permettait d'ouvrir la porte, Kadox? Ouais. Bon, je suppose que nous allons. Allez. Bon, putain, le nain, il a du mal. Oh là là. Je comprends rien à ce qu'on est en train de faire là. Non plus. Oh, mais non, on est là. J'avais oublié de prendre mes sorts de niveau 6. Ah bah du coup on est juste de l'autre côté de là où on devait aller, donc c'est parfait. Alors il y a un coffre ici encore. Hein. Une porte surtout. Accroché ? Oui. Bah, je le prends, je te l'envoie. C'est ouais, parfait. Ouais. C'est parfait, on a même plus besoin de revenir sur le bas pour comprendre où est-ce qu'on était. Je te l'ai envoyé. Au moment où tu m'as dit je viens, je l'avais quand même déjà pris. Aïe. Pardon ? Et ah, d'où tu m'as pris mes clés ? J'ai rien compris. De quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Ce qui vient de se passer là pendant la dernière minute. Bah c'est comme d'hab, dès qu'on arrive dans une zone, en explorant tous les sens, y'a aucun putain de lien et on se paume. C'est trop pas, on s'est pas paumé, ouais. Genre on a... enfin, attendez, c'était quand même assez simple, genre. On est arrivé dans une zone, on a fait toute la zone, il y avait une porte, on a regardé les autres endroits, on a fait les autres endroits, et en faisant les autres endroits, on est juste retourné là où on était au début en fait, c'est normal. Il y a de nouveau une porte verrouillée d'ailleurs. Oui, mais avant d'aller à la porte verrouillée, on va essayer de comprendre ce que c'est que ce truc, tu vois. Moi je dis c'est un guet. Un guet. On, aller, on dit un guet. Ah bon, un guet. Il y a un guet. Oui, c'est ça. Il y a un levier. Et bah, allez dessus, ça devrait faire venir. Attends, je vais, tirer... bah, je vais tirer une flèche. Attends, je tire une flèche dessus. Paf. Oh. 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 Intelligence plus 20, intelligence plus 20. Oh, je suis un nain, je suis supérieur à vous. Et non mais... On se casse. Bon allez, je vous laissais le nain derrière juste pour déconner. Ouais, attends, c'est moi qui vous sors de la panade, c'est comme ça que tu remercies? T'étais censé être le heal hein, à la base. Bah oui, mais je souhaite. Mais tout à fait. Alors, il y a une porte verrouillée. Alors, jamais, il est censé pouvoir continuer parce qu'il y a des trucs encore plus loin. Je tire sur le levier. Est-ce que... Ah bon bah... Voilà. Pas la porte verrouillée d'abord. Putain, alors... l'équipe du chaos quoi. Ah, c'est incroyable. Putain de chaotique quoi. Coucou. C'est bien, on passe dans le bac, la meuf. Bon bah maintenant qu'on est là, faisons ça. Parce que sinon on va pas s'amuser à faire des allers-retours dans le bac hein. C'est suffisamment. Il y a des coffres partout. Bah, c'est pour ça que je voulais venir là, j'avais vu des coffres. On demande si on va à la partie. Mais y'a rien dans ce coffre. Ah, alors je ramasse les posters et je les envoie à Arda pour que oui, on a invité une fête secrète. Ah oui, c'est vrai qu'on est passé devant les mecs. Tiens, Arda, je t'ai envoyé des trucs.
Ok, portée disparue enroulée, c'est ça? Disparue, Misha. Ouh, okay. On parle de vampire. C'est ça, ok. Cass, ok. C'est ça encore. Ah, mais on est chez les vampires là? Bah, apparemment. On... Bah, là, je viens d'envoyer tous les avis de disparition de gosses des. Je sais pas si vous voyez. Why am I still here? He could have had me by the neck any time he liked. You think something's happened to him? You know what? I might give this party a miss. Plenty more fish in the Chionthar, as they say. If you see him, don't tell him I was here. Just tell him I wasn't ready to be in a relationship. I'm sure he'll understand. Donc ouais, si vous vous rappelez, quand on est arrivé, avant d'arriver à Baldur's Gate et au truc William Cross, là, au tout début de la vie, on avait rencontré la tribu des Gurs, je crois. Oui, oui. Qui étaient les chasseurs de vampires, et ils disaient qu'ils avaient perdu leur gosse. Oui, c'est vrai. Et oui. Ils nous avaient demandé justement bah, de les retrouver, quoi. Ouais, dans c'est le coin, du coup. Dans quoi? Je vous propose de reprendre le bal. Je suis d'accord. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord. Et on parce qu'en fait le bac va enfin explorer ça nous fera revenir ici donc. De toute façon tout le monde va revenir ici. De toute façon on aura un autre moyen de venir dans cette zone après donc Allez je tire le levier Crank. C'est long, oh hein. Celui-là putain de merde. Pour une fois que pas celui-là fonctionne, c'est incroyable. Ah mais j'étais vraiment. Ah, de tout cœur j'ai cru que c'était le bon en plus. Non, mais fallait regarder dans quelle direction on pouvait aller. Alors, comment te dire que moi j'ai cliqué sur le levier et de l'autre côté j'avais un gros élémentaire de feu qui me coupait la vue de l'autre levier. Rappelle-toi, il a plus 20 en intelligence le nain. Et non, non, descendez pas, ça sert à rien. Ah, d'accord. On retourne là-bas parce que c'est pareil, c'est le même chemin. Donc attends, autant partir. Deux secondes. Là la porte. Voilà, c'est bon. Non, là la porte de quoi? Bah, vas-y, on fait ce que tu veux. Bah là je peux te dire que c'est le même chemin hein, genre en ah, baladant oui. Free caméra à travers les murs, c'est le même chemin hein. Ah, ah j'ai cru qu'on avait laissé l'élémentaire sur le côté. Ah j'ai cru la même chose, j'étais en mode non. Après, bah, j'aurais pu le TP, ça aurait pas été grave mais j'aurais été en mode non. Ouais, la porte qui est verrouillée, c'est qui pas. Allez, donc finalement on revient sur cette porte ou. Bah oui mais on a causé une meuf. Et j'espère qu'on aura plein de gens à tuer, qui seront bien paqués, que je pourrai lancer des gros sortilèges de fifou. Et qu'on se fasse au moins ouais, 14 000 d'XP. Alors. J'aime bien quand il y en a un qui prend le lead comme ça et dit on va à tel endroit. Ça, bah, ça me plaît. Parfait, je suis parti à droite. Bah en soi, quand on prend les décisions, on en prend tous une en même temps. Bon, c'est tous une décision choix différente. Mais... nous. Voilà, à gauche, là. À droite, à tout droit. En arrière. Comme ça, au moins, c'est bien. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Alors attends. Ah non, sinon, là, ça veut dire que l'aventure elle est rompiche as fuck. Un cercle de symboles. Parce que mon frère il faisait de la batterie, lui aussi il avait des symboles. Il y a des gens là. De la survie ratée. Allez. Ouais, j'ai réussi. Ah non, c'était pas moi, c'était Katox. Oh, mais c'est Arabella. Eh oui. Laissez-moi parler à la petite là. Elle a encore buté des gens. Attends, moi je me positionne loin. Cloud kill. Tiens Arda, c'est pour toi ça. Ah, c'est pour moi ça, oui. Elle est devenue totalement tarée. Hey, I had a feeling you'd show up. It's sort of our thing, like it's fate or something. Check out. Ah la vache, pour une gosse. It's magic. Incredible, right? Moi, elle me fait profondément flipper, je vais pas vous mentir. S'il y avait moyen de lui briser la nuque par derrière là. Ah, elle là? Pourquoi elle te fait flipper? Ouais, à mon avis, il y a quand même moyen qu'elle frille. Oh, y a de ça aussi. C'est un enfant, c'est terrorisant. Ah, j'ai peur des enfants, ouais, non, j'aime pas ça. Bon, je relance. Hein. Je vois bien oui, ce que c'est. Si on avait plein d'inspi donc. Bah, il m'en reste qu'une. Putain. Oui, parce que Xavier a tout utilisé tout à l'heure. Comment ça ? Poser un PNJ qui servait à rien. Ah, quand tu faisais Deception Check, t'as utilisé des trucs ?
Ah putain, merde, c'est con. Bon bah voilà, là on sait pas ce que c'est. Ça ne servit à rien. On va détecter les pensées, on va voir. Peut-être enfin un jet de dé valable. Ah bah voilà. Il est là le jet de dé valable. J'avais. The stone holds records of all those who have passed by it. The histories flow from Arabella into you. Creatures slain, lovers reunited, spells crackling through the air. The girl is collecting every last vision. It's as natural as breathing for her. And I've only scratched the surface. I want to know everything. Bone Man was right. The weave will take care of me. I just need to listen. Yep, and I like it that way. Bone Man told me to follow the weave, to let it guide me. I've learned a lot thanks to him, and I'm still learning. Je sais bien, tu poses la question au dernier qui est la plus évidente. Came at me with daggers. They didn't know who they were messing with. I told you, I've learnt a lot. T'es pas ça qu'elle me fait flipper la meuf, elle te fume par paquet de 12 des bandits. Bon. Ouais. Si à 8 ans elle te fait ça, bon. Quand elle aura un peu de maîtrise de la magie, C'est elle qui a tué tout le monde là ? Oui. Ouais, mais eux, ils voulaient la tuer avant. La oui, mais quand tu regardes, tu te dis que c'est des level 10, ils avaient 106 PV. Bon. C'est manger ou être mangé, hein. Oui. C'est la dure loi de la jungle. Oui, non, bah, elle s'est défendue, c'est d'accord, mais ce que je dis, t'as une gamine de 8 ans qui est capable de fumer des groupes alors que nous, on a besoin d'être 4 pour faire ça, donc. Ah, s'il y a un Baldur's Gate 4, je me dis, elle, soit elle deviendra l'antagoniste de ouf, soit ça devient la. Pourquoi je suis. Hein. Parce qu'il y a des gens qui t'ont filé des trucs à tous les coups. Ouais, genre du poisson pourri ou des. Attention, ça sent le mimique. Tiens, il y a de l'huile. Pas du tout, tiens, c'est à toi, Arda. De l'huile. Des compos ? Ouais, des compos ! Croule sous les pare-chauds et les compos. Je suis sûr que. Ah, attends, faut tirer là-bas, je pense que ça va faire des choses. Ouais. D'accord, merci. Est-ce que Arda, tu pourrais essayer de tirer avec ton bonhomme là ? Avec mon bonhomme ? Les bah, mecs, ton fait du feu à côté bonhomme. De toi, vous êtes sur de la graisse, les mecs. Ouais, t'es sûr, pas dessus. Ah, si, c'est de la graisse là aussi. Ouais. Allez plus loin. C'est fait. Plus loin. Ça fait, c'est bon, je suis plus loin. Oula, il y a plein de gens là-bas. Où c'est ? Allons pas plus loin. Après, il y a du. Ah oui. Il y a des ifrites. C'est bon, c'est propre. Oui, et donc. Ça n'a rien fait du tout. J'en suis immense déception. Ouais, ça c'est. Alors, il y a des imps et tout là. C'est. Ah ouais, il y a full. Full Nimpo invocation des démons, des conneries là. Attendez, est-ce qu'ils sont paqués ? Est-ce qu'on peut y aller en mode gros bourrin et faire masse destruction dès le départ ? Potentiellement, oui. Je te laisse lancer. Je te laisse lancer la première allumette. Il y a du monde. Oui, alors, attends, quoi, ils sont pas ennemis, hein. C'est vrai. De graisse. Ils sont ça pas n'en ennemis. Reste pas moins, ça n'en reste pas moins des démons, hein. Je dis tout ça, ça se massacre. Après, je peux essayer d'aller leur parler, hein. Moi je veux bien. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu ma soirée où je meurs, donc. je veux bien me sacrifier pour ça, moi ça me dérange pas. Hein. Bienvenue dans le monde des mortels, mec. Fier. Je l'ai pas crié, mais bon, l'idée était. Putain, le rat m'a vu, quoi. Agnium rat. What the fuck? Il est bizarre ce rat. Chelou le rat. Attends, je peux lui parler. Je crois pas que tu puisses. Mais pourquoi il me sort du mode furtif, l'autre con là ? Ça me fume, parce que le rat te voit. Ah, les démons ils sont incroyables !
T'écoutes ce qu'ils disent. C'est quoi le nom de la rivière? C'est les Sewer. Et après il fait, en tout cas, elle est vachement bonne. Mais oui. Ça me fume. C'est pour ça, ouais, ils ont des dialogues ici. Bon, je vais lui parler. Bonjour. What's this, cousin? Another absolutist come to see what we did to poor old Sarin. Your god took her mind, cultist, so Bereki took her head. Ouais, bah t'as pas l'air très simple, hein. The flesh from her bones. And now you come to interrupt the funeral rites. I... C'était dégueulasse. Yes, cousin. An excellent idea. Vous avez des problèmes. Oui, je... Eh ben, tu vas pouvoir te faire plaisir, j'ai l'impression. Et en plus, c'est de la graisse, ça va bien cramer, je pense. De la baston ! Of course you don't. Sarin, Bereki and I made our coin by going unnoticed. The finest thieves in the city. Until we messed with Gortash and he sent the cult after us. Your fellow cultists hunted us, so we hid down here. We were safe, and so was our loot, until the darkness soured Sarin's mind. She kept our treasure from us, said Bereki and I had gone strange. Oui. Oui, oui. Je peux le comprendre. Je confirme. Hush, cousin. Sarin turned into a cultist herself, so we did what we had to. Bereki wept until his voice was gone, and then he was gone too, leaving only me to conduct Sarin's rites. And my cousins here. You cannot conduct the rites without a clan to bear witness, or some fuel for the fire. Way. Mm-hmm. Tente des trucs. Ah bon, les gars. Ah. Oh, bah... manifestement, on va le taper, je crois. Et on n'a pas de. Non. You are so deep in the absolute power, you do not even know it yourself. Just like Sarin. Ah, ok. Bon, ouh, il y a du peuple. Ah. Après, putain, du mais peuple. Alors, je vais. Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Ah, ok, bon, bah fais-toi plaisir à ma place. Non, bah, ah, mais en non, fait, ils sont trop loin. Ça, c'était en combat, Arda, mais t'es en combat dans longtemps, quoi. Bah. Mais j'ai mon élémentaire de feu. Ouais, sinon, ce qu'on peut faire, c'est attendre qu'ils nous rejoignent. Et... alors, le truc, c'est que pour l'instant, il est légèrement bloqué par les personnes qui sont au passage. Oui, mais est-ce que. Moi, je t'en dire, est-ce que je mettrais pas une fin d'Adar pour. Genre bloquer toute la zone. Ah, fais-toi plaisir, oui. Et puis on attend que eux se ramènent tous, quoi. Non, mais là-bas c'est incroyable. Non, mais attends. Bah oui, je vois là-bas. J'ai vu là-bas. Il y a un truc là. Il y a un truc à faire en mode tu enflammes la graisse et en fait ça fait traîner de poudre. Hein. Je pense que c'est ça que je vais faire. Par contre, je crois que t'es un peu dans la graisse. Oui, bon, ça. Regarde. S'il y a que ça. Voilà, je ne suis plus dedans, enfin, genre. Moi je pense que le mieux ce serait si t'arrives à tirer de l'autre côté du pont. Ok, pas besoin. C'était incroyable. Ça a pas c'est fait tant de dommages que ça, mais c'était rigolo. Je vais balancer une fin d'Adar et comme ça, quoi, dès qu'il se déplace, bah... pas fait tant de dégâts que ça. Alors oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ça a pas fait tant de dégâts que ça, mais ils sont tous en train de cramer. Et j'en ai pas tué un quand même. Ah mais en plus ils ont tous... Si si, mais t'en as tué deux même. Je suis trop fort. Bon. Pardon, j'exulte alors que en fait j'ai rien branlé. Ah, par contre, je crois que j'aurais peut-être pas dû le laisser là, lui. T'as enflammé du gras. Le gras, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Non, mais là, je vais être dans le feu, j'ai un peu la flemme. J'ai envie de dire, on les allume à distance. C'est beau, c'est beau. Oh, ce coup de c'est beau. Je sais pas pourquoi il a explosé, mais pourquoi pas. Ah, je suis un poil loin. Tu peux avancer un peu?
Est-ce que c'est mieux? Ah bah oui, c'est mieux. Voilà. Incroyable. Quelle efficacité, c'est impressionnant. En plus, il est... En plus, il... Eh ben voilà, il aime pas le feu, c'est incroyable ça. À boule de graisse, oui, si... il a une vulnérabilité aux dégâts de feu. Ça aurait été encore plus incroyable si j'avais pu balancer une espèce de flurry of blows, mais avec ma, mon arme à distance, mais ce n'est pas possible. Mais il sort d'eau. Il sort probablement des égouts. Young Magma Mephit. Aïe. Esquive. Il a critiquement échoué. Un bon 1 quoi. Techniquement, s'ils se packent tous ces gros crétins, je leur mets une fire bouboule et on en parle plus. Hein. Ouais. C'est un peu l'idée, ouais. Mais ils ont l'air de vouloir faire des tours. Attends, mais les méphites peuvent summon des méphites, c'est ça qui est en train de se passer là? Oui. Vas-y quoi, c'est pas chiant déjà comme truc. Bon en fait faut aller tuer Elise Sir Machin là, ça va tous les buter non? Mais ils vont être combien? Mais là-bas il y a de la graisse aussi. Ça fera de l'XP. Oui oui, ça. Il y a du monde dans ce Turn Order. Je me souviens avant de lancer l'épisode, on peuple, avait dit hein. Ouais, un petit épisode de 40 minutes. Ouais, ça fait 42 minutes. Vu le Turn Order, c'est pas fini, c'est vrai qui te le dit. C'est mon avis, ouais. Ah, mais ils ont 160 PV ces cons là. Ouais, c'est. Il sait à moi Est-ce qu'ils ont bien avancé? Ah, bah là, t'en as deux bien paquets avec tous les deux 160 PV, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Ouais. Oh, ça va être une fireball hein. Petite fireball de quel niveau? Je vais la mettre à niveau 4, je le fais. Et c'est trop loin, mais bien sûr, évidemment que c'est trop loin. Tu peux pas te rapprocher un peu? Je peux en avoir que 3. Bah dessus y'en a que 3 donc c'est top. C'est stylé quand même la boule. Oh, je l'aurais pas fait si mal que ça hein, 139 sur 154 à Elise. Ah oh, t'as tué le Mephite qui était derrière, c'est déjà pas mal. Ah non, je m'attendais à mieux tu vois, je m'attendais à mieux. Donnez-moi un petit méfite à côté. Je voudrais tenter un truc autour prochain. À me défoncer mon ki, mais si c'est possible, ce serait incroyable. T'attends. Est-ce qu'il y a un petit méfite dans le coin? Oh, il y a une boue. Oh, c'est incroyable. Attends, elle a, elle a combien de PV? Vous êtes prêts ou pas? Moi aussi je suis comme Ardarine, regardez. Moi aussi je peux lancer des boules s'il de feu. Ah, attends s'il te plaît. Bon bah attends. C'est con hein, j'allais mettre une vulnérabilité au feu au mec qui a une résistance, mais tant pis. Bah, mais vas-y, fais-le maintenant hein. Fais-le maintenant, tout va bien, y'a pas de problème. Est-ce qu'il a pris le truc ou pas? Ouais, c'est... Ah non, putain, il a perdu la résistance. Fait que rien. Il n'y a pas de la résistance. Non, mais parce que regarde, je t'ai dit, moi aussi je peux être comme Arda. En mode. Et je comprends pas, normalement ça me met. Je peux lancer des boules de feu. Attends, je suis trop loin. Ah, la. Ouais. Il est censé être vulnérable au feu, donc il a pas la vulnérabilité qui sort, mais techniquement il devrait être vulnérable au feu. Techniquement. Oh bah attends. Attends. Je vais essayer un truc, moi aussi j'ai envie de faire mumuse. Regarde, je suis comme Arda, je peux lancer des boules de feu.
Bon, alors, je viens de perdre 8 points de ki, mais c'était rigolo. Sur ce, je peux plus rien faire. Ah si, attends, t'y crois ou pas? Je peux faire ça? C'est incroyable. Je vous laisse vous occuper, moi. Allez tenir la porte. Le machin, il s'est fait défoncer. Mais quoi ce tour? Alors par contre, je suis dans ta merde là. J'aimerais bien m'en aller. Voilà, merci. Bon, du coup, je suis au cac, t'es moche, mais c'était rigolo en tout cas. J'ai passé un tour merveilleux, deux boules de feu plus deux coups au cac. Ça m'a fait. Et c'est quoi ça, Arsonist Oil? Une huile que tu appliques sur ton arme et les gens qui ont une résistance au feu deviennent normalement vulnérables au feu, mais là je sais pas, ça a juste retiré la résistance au feu, il est pas devenu vulnérable. Il est immunisé? Non, 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 il avait une résistance au feu le mec. C'est bien paqué là-bas quand même aussi. Hein. Ah ça non, ça ne l'est plus. Bah je vais m'occuper de tout ce qui dépasse et je te laisse le pack. Et il lui reste 4 PV. Ouh. Oh là! Oh bébé! Non, mais je pense que si on le tue, ça doit tuer. Ah ouais! Putain! Et attends, je peux peut-être lui mettre un truc de tempête de grêle là? Vas-y. Non, par contre, je suis dans le milieu. Ah, c'est vas-y, pas vas-y, grave. Je peux esquiver, je vais esquiver. Vas-y. Attends, j'y attends, crois. Attends. T'y crois encore, mais moi je crois surtout qu'en fait, je peux t'esquiver. Non, non, mais vas-y, vas-y, touche le plus de gens possible. Alors attends, je peux même toucher le truc qui est derrière le mur si je fais ça. Mais voilà, c'est encore mieux. Si tu leur mets ta glace dans la gueule, ils vont pas kiffer, hein. Oh, allez, let's go. C'est surtout qu'en le tuant lui, il y a tout le monde qui a des pop. Enfin, il y en a plein qui ont des pop, en fait. Ah ouais, bah ouais, tous les trucs qui avaient été summon. Bah ouais, parce que franchement, les deux élémentaires de lave, je pense qu'on aurait vraiment pas rigolé si t'avais dû te les prendre sur le coin du pif. C'était beau, hein. C'était très bon. En plus, t'as éteint le feu, vraiment un spectacle pyrotechnique, vraiment 20 sur 20. Je l'ai mis, j'ai allumé le feu et j'ai éteint le feu. Ouais. Je pense que le 14 juillet peut aller se rhabiller. On sait pas trop qui joue là. Bah, les méfites qui sont là. Ah ouais, mais en fait, il faudrait réussir à un moment donné à trouver qui est l'invocateur des méfites pour. Et là, c'est pas des créatures de base, ils sont pas. Oui, mais normalement, si tu tues le Mephite qui a créé les autres. Alors, est-ce que tu. Je peux en paquer 3 si tu veux. Je veux bien. Alors, est-ce que je peux le. Non, si je le chauffe, on est d'accord que ça va le faire reculer. C'est pas beau ça? Magnifique! C'est français. Je sais même pas où t'es. Je suis là. Et j'ai chauve et le mec je l'ai foutu mais pile poil. Voilà. Eh franchement, ça c'était quand même fou. C'est beau. C'est beau. Ah on les défonce hein. En même temps ils ont 20 PV quoi, c'est les méfites qu'on a chopé dans l'acte 1. PV, j'aurais presque pu l'avoir si Ah non, ce que j'ai kiffé c'est que bon chauve l'a vraiment envoyé pile poil à côté de ses potes. Je savais pas si ça allait faire 3, 6 ou 9 mètres et là ça l'a envoyé pile poil à la bonne distance. Ouais. T'as plongé ton arme dans le feu, c'est ça que t'as fait? Ouais, mais j'ai plongé mon arme à distance alors que je voulais plonger mon arme au cac. Donc c'est moins. C'est moins. Voilà, ça a moins d'impact quoi. Ah, j'ai testé le Fit Charger et franchement, il est pas mal. Il est pas mal. En fait, la mulette elle est à chier parce que ça me restaure que 3 points. C'est pas fou. Mais je peux les restaurer pendant le combat donc c'est pas si mal. Il aurait pas invoqué un Mephite le salaud? Si. Mephite magmatique. Bon écoute, je vais lui mettre un petit rayon de givre. 99%. Oupsie! Pourquoi t'as fait tomber Kato? Parce que il a explosé, non c'est ça? Ah non, le ray. Il est dans l'AOE en fait, il est dans l'AOE. Quand je fais un rayon de givre, je l'oublie que j'ai un AOE. Pardon. Pardon! Non, mais c'est surtout, quand le Mephite meurt. Non, c'est le trait de glace qui l'a fait glisser. Ouais, c'est le trait de glace. Pardon, Katox. Écoute.
Qu'est-ce qui branle le méfit là-bas là? Bon, j'ai fini de me taper là. J'y arrivais pas. Ah! Il a réussi. Ah bah non. Ah si, j'ai perdu. J'ai pris des dommages quand même, hein. J'ai pris un dommage de feu. Donc, pourquoi il y a qu'un seul méfit là? Il y en avait trois. Parce qu'ils sont morts les autres. Il est mort. Je peux le finir, hein. Te fais pas chier, hein. Tu peux aller sur un meilleur tas d'intervention. Hein. Tu veux que j'aille où? Tu veux. Bah, sachant que tu as buté la cible qui était devant moi et que les autres sont de l'autre côté, je pourrais rien faire sur ce tour-là. Galope. Ah, mais parce que là, il y en a un. Non, mais il y en a un là où je suis. Tu peux le taper ou pas? C'était un peu loin peut-être pour toi. Si tu t'es... Ouais. Non, bah, je vais beastie step, mais je vais pas aller là-bas. Je vais essayer de. Attends, est-ce que je peux faire ça? Oh, t'as pas une petite flèche enflammée à balancer près de la graisse qui est tout à droite parce qu'il y a encore une boule de graisse de niveau 3. Est-ce que je peux aller là? Ah, balancer un truc. Non, mais la boule de graisse en niveau 3, elle est là où je suis, Arda. Elle est vraiment là. Non, il y en a une autre là-bas. Elle est pas dans le tornado. Ah, ok, d'accord, je croyais. Ouais, alors avec la graisse partout, si vous mettez une boule de feu, je vais me faire des pop, mais vas-y, je vais aller là-bas. N'y va pas. Enfin, là où j'ai pingé, n'y va pas, parce que de toute façon, moi, je vais y aller avec mon élémentaire. Mais n'y allez pas, ils sont pas dans le tornado. Hein. Bon. Bah, ils vont y être bientôt, hein, mais ils sont pas encore. Pourquoi je tire à côté? Parce qu'il a esquivé les deux. Et tu tires combien la flèche? Bah autant que toi, hein. Maintenant j'ai trois une action c'est trois attaques pour moi. Et trois attaques? Oui. Oh, c'est incroyable. Ouais, tu te fous de ma gueule toi, sérieux? Non vraiment, moi j'ai pas trois attaques par action, hein. Bah non, t'as deux attaques par action. Ouais. Ouais, mais le guerrier quand il arrive level 11 justement ou 10, et ben c'est ah bah j'ai pas trop compris pourquoi il a explosé là, mais... Il était dans du feu je crois, c'est pour ça qu'il a pris les dégâts de... Ça lui a pas plu. Non. Non, ces graisses là, Arda, faut pas les taper, elles sont pas en combat avec nous. Ah, parce que moi j'allais les... Moi j'y allais, elles, hein. Elles bougent sans nous, donc là on est plus en combat, hein. Ouais, mais on va pas les attaquer, tant qu'à faire. Je sais pas, peut-être qu'on peut loot et tout. Bah vas-y. Ça sera pas grand chose à... Il y a un cadavre transluminescent là, qui est juste à côté. Il y a le cadavre de Sarin, on va toujours pouvoir lui parler. Et après, je sais pas, ça fait un moment, on va voir si vous voulez continuer ou pas. On va peut-être faire la clôture. On peut. Ah, je vois que vous avez tout looté déjà. Non, il y avait rien dans les cadavres. Regarde, les Grisbrawl. Elles sont vides en fait, il y a rien dedans. En même temps, l'élémentaire. Et sur les cultistes, il y avait du stuff blanc à vendre de base. Mais après, là, il y a un cadavre si vous voulez. Non mais on verra ça pour le prochain épisode. Ah, j'ai tout envoyé à Munmir. Qu'est-ce que quoi? Ah, il y a une cape qui... Attends, une créature qui fait des dégâts au porteur reçoit brûlure. Pas mal ça. Ouais, alors perso, elle est useless cette cape, mais... Je sais pas si la cape de complexion te sera utile si tu lances encore beaucoup de ça. Bah en soi la cape oui parce que je peux encore lancer par exemple Hunter's Mark, je peux balancer des spells des pare-chauds. Ouais oui, donc encore de l'utiliser. Spell. Bah, non bah la cape elle me sert quasiment rien moi le... Cercle de mort, ah, je le connais déjà mais ça sera bien ça c'est très bien ça. Tiens il y a un bouquin. Merci. Ah on peut mettre quelque chose dans le squelette. Alors tu fais ce que tu veux. Non mais quand tu cliques dessus, c'est ça que ça fait une machine là. Ouais, tu peux mettre un truc. Doit y avoir un crâne à aller trouver à mettre là. Ah voilà, là ça parle, là ça parle. Bah, c'est vrai qu'en même temps c'est le seul truc qui manque à son squelette. Eh ben oui. Alors franchement, je suis pas allé chercher très loin, j'ai juste eu des yeux. Ouais. Ah putain, ça aurait putain un cœur, un ongle. Bon bah ça sera la quête de l'épisode prochain. Hein. Exactement. On reprendra à partir de là. Tout à fait. À plus tout le monde. Des gros bisous. Ciao.
Ciao, ciao.